Monsieur Balanant, vous avez la parole. Oui, alors moi je prends la parole sur ce point parce que sur mon territoire, il y a 10 ans maintenant, on a mis en place un réseau de transport. Et j'étais, et je suis toujours favorable pour la gratuité sur mon territoire parce que je pensais, ce n'est pas le choix qui a été fait par les élus, je pensais que c'était ce qui avait le plus adapté par rapport à l'étude qu'on en avait faite avec moi, avec mes équipes. On avait regardé, vous ne l'avez pas cité, vous avez pas, oublié de citer Vitré, qui est un exemple assez remarquable sur celui-là. Vous avez aussi cité Carré en faisant une belle faute d'orthographe, donc il faudra la corriger. Mais ça, c'est mon côté breton. J'aime pas trop qu'on écorche nos noms bretons. Mais tout ça pour vous dire que je ne comprends pas votre amendement. Alors que je suis extrêmement favorable à la gratuité, je ne le comprends pas parce que justement, aujourd'hui, liberté est complètement laissée donner aux élus locaux, et c'est les élus locaux sur chacun des territoires qui doivent décider, parce que parfois il y a un projet qui va vers la gratuité, parfois, et la ministre vient de le dire, sur la Paris et l'Île-de-France, on peut se poser la question, parce que ce qui serait légitime que les touristes qui viennent en France ne payent pas le transport, c'est une question. Donc on voit bien que pour chaque situation, chaque collectivité, chaque réseau de transport a ses spécificités. Et on voit aussi, pour ceux qui ont un peu étudié la gratuité, parce qu'on peut dire, on peut être fanatique de la gratuité, moi, ce n'est pas ce que je suis, ce que je dis, c'est que ça marche profondément bien à certains moments, et à d'autres endroits, ça ne marche pas. Donc laissons la liberté aux élus, et c'est ce qui est écrit aujourd'hui dans notre texte. Donc moi, je pense que votre amendement, vous devriez le retirer si vous êtes favorable à la gratuité sur les territoires. Merci beaucoup, M. Balanant. Je vais donc...